Pâtre raconte ses vacances. Sur le chemin de l'école des chats, la queue de Splat frétille et se tortille comme une chenille. C'est la rentrée des classes et Splat est impatient de revoir ses amis et sa maîtresse. Le soir, alors qu'il rentre à la maison, la queue de Splat traîne par terre derrière lui. Il n'est plus du tout content. Le premier jour d'école se termine et il a déjà des devoirs. Qu'est-ce que tu as, Splat? Demande sa petite sœur. Je dois raconter mes vacances et rapporter un souvenir en classe, répond Splat. Mais j'ai fait tellement de trucs géniaux cet été. Comment je vais pouvoir en choisir qu'un seul? Cet été, Splat a participé à une grande course de vélo. Je peux venir moi aussi? Avait demandé sa petite sœur. Les vélos des petites sœurs ne sont pas assez rapides pour faire la course, avait répondu Splat. Mais sa petite sœur était venue quand même. Cet été, Splat s'est baigné dans un océan plein de requins. Je peux venir moi aussi, avait demandé sa petite sœur. Les petites sœurs ne sont pas assez fortes pour se défendre contre les requins, avait répondu Splat. Mais sa petite sœur était venue quand même. Cet été, Splat a participé à un grand match de football. Je peux venir moi aussi, avait demandé sa petite sœur. Les petites sœurs ne sont pas assez grandes pour jouer au football, avait répondu Splat. Mais sa petite sœur était venue quand même. Cet été, Splat est parti à la recherche d'un trésor de pirate. Je peux venir moi aussi, avait demandé sa petite sœur. Les petites sœurs ne sont pas assez malines pour trouver des trésors, avait répondu Splat. Mais sa petite sœur était venue quand même. Et puis cet été, Splat a même construit une fusée pour se lancer à la conquête de l'espace. Je peux venir moi aussi, avait demandé sa petite sœur. C'est trop tard, avait répondu Splat. Le compte à rebours a déjà commencé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, ça fait quoi ensuite? Mais sa petite sœur était venue quand même. Elle avait dit 4, 3, 2, 1, décollage! Il m'est arrivé un tas d'aventures, dit Splat à Rissori. Comment est-ce que je pourrais n'en raconter qu'une seule? Et quel souvenir je pourrais bien apporter en classe? Harry sourit, hausse les épaules, il n'en sait rien. Soudain, Splat a une idée. Oui, il y a bien un souvenir qui illustre parfaitement ses vacances. Le lendemain, Splat arrive à l'école avec la queue qui frétille et se tortille comme une chenille. Et il est très content que sa petite sœur soit venue aussi.